Dernier sorti journal mitan journée pour semaine ça et pour tout mois septembre nan. Bonsoir tout le monde et bienvenue. N'ap démarre tout de suite avec prévisionniste non Wilner Polidor pour toute nouvelle sous condition temps. Bonsoir Wilner. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là en alors comment situation est sous pays d'Haïti. Nous gagnons avec d'altitude qui est au niveau de l'Atlantique Nord qui a généré une masse d'air qui est plus ou moins humide instable sous pays d'Haïti et cela veut dire que jeudi encore on a battu nous avec quelques activités la pluie sous toute région sud pays d'Haïti, département de l'Ouest aussi concerné, l'Antibonite, le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Temps sensible là, jeudi on a bien un temps qui a ensoleillé en journée, c'est bel soleil avec quelques souffre de vent qui va voter sous PIA, mais en fin d'après-midi, je ne sais là, quelques convections locales pour aller quelques activités là, puis sous département de notre cité là, disons toute région sud là, l'ouest, l'Antibonite et le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Mais à partir de demain, on a commencé à gagner plus instabilité, j'en ouais là par rapport avec ex-tempête tropicale Kirk qui a déplacé vers sud Grand Antilles. Il pourrait influencer le pays d'Haïti à partir de demain et dimanche. Et n'a pas tant avec gros activité la pluie à partir de demain soir, qui c'est samedi et dimanche, la pluie a augmenté sous pays d'Haïti par rapport avec Jean-Noël, la dépression tropicale là, qui a privé, qui a parallèle avec le pays d'Haïti à partir de dimanche. Cela veut dire que secrétariat permanent qui a géré avec désastre, de conseil avec protection civile et UHM mettaient un avis d'inondation sous PIA et majorité département concerné par activité de la pluie non seulement samedi et dimanche et c'est pour ça que des gens qui étaient dans la zone qui a inondé puis auraient été veatifs parce que gros la pluie qui a tombé à partir de demain et dimanche qui va provoquer quelques inondations sous quelques départements pour jeudi. En parlant de samedi et dimanche, et c'est pour ça demander aux populations capables de rester veillatifs par rapport avec la situation. Ça, pour capitale avec zone qui avait eu son capitale Cap Juif de yon journée qui ventait et ensoleillé au cours de journée, mais en fin d'après-midi, en soirée, il y a quelques convections qui étaient possibles, c'est-à-dire la pluie isolée avec quelques coups de l'orage qui étaient possibles sous capitale avec zone qui environnait lieu, gon température qui a monté aujourd'hui jusqu'à 35 degrés, et puis par la descente dans la nuit, c'est 24 degrés Celsius et activité la pluie a augmenté sous capitale à partir de demain et dimanche par rapport avec dépression tropicale qui a privé sous pays à partir de samedi et dimanche. En ce sens, nous demandons tout le monde qui était dans le quartier qui est vulnérable dans le département de l'Ouest et surtout dans la capitale là, avec zone qui environne les priorités véatifs parce que a gagné gros la pluie à partir de samedi et dimanche en sous capitale là, avec zone qui environne les nous avons la mer qui agitait à fort en sous côte sud pays d'Haïti, mais pour golfe de la Gonave et côte nord pays d'Haïti, il est capable de naviguer seulement précaution par rapport avec activité la pluie on prévoit demain et dimanche pour prendre en pile précaution parce que la mer a agité à fort sous côte Nouyo et pour pas sur le micro je dis à soir la coucher à 6h40 et la lever demain matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention, on a croisé lundi pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous-même tout. Dans l'actualité, dans le discours de la 73e session ordinaire Assemblée générale ONU, chef de l'État haïtien renouvelé engagement pour continuer à mener en lutte sans prendre souffle contre la corruption dans le pays d'Haïti. Relancer le climat affaire, permettre la paix et la sécurité établie dans la société, fait partie priorité chef de l'État haïtien. Suivant extrait dans le micro TNH. Je tiens à réitérer ici devant cette assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable,
acharné et opiniâtre contre la corruption sous toutes ses formes. La modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'Union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche munie de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés, porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. L'autre nouvelle, aucun pays n'a pas fait développement durable s'il n'a pas de bonnes infrastructures dans divers domaines pour répondre à besoins de la population. Dans ce sens, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, cite montant l'argent, le pays a besoin dans divers domaines pour répondre à exigences liées. Comme exemple, Haïti a besoin de 450 millions de dollars américains pour créer 15 000 salles classe pour faciliter 500 000 timoun qui beaucoup prennent l'école, bénéficier de l'instruction. Nous invitons aussi à extraire dans le micro TNH. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'un million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplastes et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe.
122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. L'autre dossier, ministère commerce et industrie, organisé déjeuner formation jeudi 27 et vendredi 28 septembre sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier d'un programme appui pour entrepreneuriat jeunesse. L'activité ça rentrée dans le cadre dispositif présidentiel prend pour accompagner jeunes. Nous invitons à suivre. Déjeuner formation ça rentré dans cadre d'accompagnement pour appuyer et puis accompagner jeunes yo dans élaboration et exécution projet yo gagné encourager au finaliser et puis normaliser produit yo. Journée formation ça yo k'ap réalisé pour jeunes dans 140 communes dans pays a aider yo lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean. Avec Papège, la première année de l'entreprise, que ce soit la patente, la carte d'identification professionnelle, l'enregistrement au ministère du commerce, c'est indispensable pour nous au niveau du Papège pour que les bénéficiaires du programme soient formés. C'est des entreprises qui peuvent faire face à accès au crédit, un bagage qui est très rare en Haïti, pour une fois des jeunes entrepreneurs. Dans toute commune dans le pays, je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici, des jeunes qui sont partout, qui ont des projets d'entreprise, qui ont des accès à crédit en Haïti. Coordonnateur commission jeunesse là, Rico Pierre-Louis, bon côté PAL, fait qu'on est la pas Cyril, tout bénéficiaire, yo, gain formation nécessaire dans l'idée pour aider l'État dans moyen la bayo pour gérer business. Yo. Ministère commerce et ministère finance, la tête collée à la commission, de démêler yo comme Jean-Jacques aux jeunes qui présentaient puis mon projet yo joignent accompagnement nécessaire la mettre campé business yo. En plus de ça, commission nationale jeunes yo assure que tout bénéficiaire ça yo va participer la formation ça pour arriver joindre moyen pour faire ce business yo grandir. Et nous mettons ensemble avec le ministère SAO, nous avons parlé de ministère finance, le ministère commerce, pour organiser non seulement deux journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans le prochain jour. Une façon pour aider à gérer les moyens l'État pour le mettre à disposition. Ministre commerce, là, bat bravo pour l'équipe Papège là, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Il promet de bénéficier yo, a gagné accès crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaitait bénéficier yo succès et puis bay meilleur de yo même. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et à
approchez-vous. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec programme appui entrepreneuriat jeunesse la Papège a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider créer travail dans pays d'Haïti d'après recommandation président République là Jovenel Moïse. Responsable Autorité nationale régulation secteur énergétique ANARS ra poursuivre jeudi 27 septembre là avec atelier travail sur rôle régulateur l'été tombé lundi 24 septembre là. Atelier ça qui a duré 5 jours déroulé sous thème la corruption et les responsabilités de régulateurs du marché de l'électricité en Haïti. Suivi au contre-rendu avec Esaïe Aurelius et puis Wilson Idoré. Atelier ça rassemble responsables d'une série d'entreprises qui travaillent dans la production et commercialisation courant électrique en Haïti. Ils permettent de gagner des informations sur la création et la responsabilité régulataire dans la question de vente courant dans le pays. C'est la troisième séance de formation Autorité nationale régulation secteur énergétique là organisée pour aider dans le développement secteur d'après directeur général Strictissa et Evenson Calixte. Régulation, tarification et responsabilité régulataire, c'est un ensemble thème qui a traité pendant l'atelier ça. D'inviter tout acteur là viennent comprendre qui mouvement pour le faire dans le secteur puisque ce sont secteur qui ouvre. Il y a trois bagages fondamentales le secteur ouvre. Premier objectif ou bien premier rôle que un régulateur pour le gérer, c'est bail licence et octroyer des autorisations qui permettent de construire une centrale et construire un réseau de transport et vendre courant. Donc régulateur a comme il y a un rôle de bail licence, donc nous avons fait premier module de formation sous octroi de licence, qui procédure généralement qu'un régulateur à travers le monde utilisé pour bail licence et qui procédure en assez en temps d'utiliser. Ensuite, nous avons fait une deuxième formation sous tarification. Ça sont des éléments fondamentaux liés parce que pas une entreprise qui a investi si ou pas dit clairement comment elle va recouvrir, comment elle va rentrer, quoi elle va investir. Donc nous sommes là pour nous regarder les questions et ça. Mais faut dire tout ça n'a fait là, li entré en ligne droite avec programme gouvernement gagné pour mettre courant dans pays 24 sur 24. Et me rappeler tout le monde que programme ça a gagné plusieurs axes. Il y en a premier axe c'est travail sur réseau régional. L'un dit travail sur réseau régional c'est rassurer que tout segment dans réseau régional avancé, c'est-à-dire segment génération production déjà avancé, segment réseau avancé et segment vente électricité avancé. Quelques participants saluent des massas d'après yo cap aider à créer confiance sous marché ya, et puis aider le rentable pour investisseurs yo. Yo promettent pour collaborer avec responsable ANACE yo pour avancement secteur énergétique là. Atelier travail ça qui commence lundi 24 septembre nan a privé dans boutli 28 septembre qui venir là. Il fait partie programme gouvernement haïtien pour bay population courant 24 sur 24 d'après Evenson Calix. Nouveau directeur général administration générale douanelan Romel Bell annoncé jeudi 27 septembre l'an ensemble pour combattre phénomène contrebande. Directeur a parlé tout sur ensemble et stratégie li pral mette en place cap faciliter pi bon gestion nan niveau institution ça. Nous invitons à suivre. Mission principale direction générale douane c'est exiger importateur yo payer l'état taxe qui permettent réalisation projet développement sociaux yo si tout contrôler qualité et quantité produit consommation qui importé en dans pays a d'après directeur général douane nan Romel Bell. Dans ce sens ça li solliciter collaboration tout citoyen pour aider à aider atteindre objectif li. Mission nous c'est même dans cadre trois grandes missions que la douane gagne. Si c'est première mission, ça c'est incontestable et incontesté, si ça nous déclare les missions fiscales. Mission fiscale. Mission fiscale là, qui ça veut dire, c'est bail César, ça pour César. Ça veut dire que les redevances fiscales, tout le monde qui vient pour payer, il faut qu'on paye. Ça c'est incontestable et incontesté, il faut qu'on paye. Et d'après Goumen, pour tout le monde payer, sort pour payer. Et c'est là, pays a des moyens pour ça président pays a été fait comme promesse pour un moyen pour accomplir mission en tant que président de la République. Donc c'est ça. Deuxième mission c'est mission économique.